Good morning, Aleiden. Et tu seras aujourd'hui le Nishmat Amram, Yona Ben Chana, Lor Lea Bat Beila, Peggy Bat Esther, Zara Bat Manalto, Shish Portish, Simon Bat Leoni, Michael Novikov, Osir Fouatourout, Bat Claudine Traina, Simcha Bat Masoudi, Betor, Shachol Israël. Nous étudions Maserhet Jouot, Perekret, Mishnah Hey. Amar la Shoel, Hechan Shori, Amar Lomet, Vehu, Shenishbar, O Nishbar, O Nignav, O Avad, Nishbar. Veushemet, onishba, onignav, oavad. Nishba, veushemet, onishba, onignav, oavad. Nignav, veushemet, onishbar, onishba, oavad. Avad, veushemet, onishbar, onishba, onignav. Mashbiacha, aniv, amar, amen. Patour. Je pourrais oser vous dire, c'est tout pour aujourd'hui. Et quand tout c'est là, parce que vous connaissez déjà bien le sujet, on l'a déjà évoqué. Tous les mots, vous avez déjà tout compris probablement. Allez, je vais vous faire plaisir, on va le faire ensemble quand même. C'est très simple. Le même principe. Cette Mishnah-là et la prochaine Mishnah, ça va toujours être le même fondement. On a affaire à une sorte de chômeur, un gardien, quelqu'un qui est engagé de surveiller et ensuite de rendre des comptes, de nous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Selon le cas, s'il jure pour se faire dispenser de payer, c'est-à-dire s'il disait la vérité, on leur dit « Ah ben paye ». Et ce qu'il fait, c'est qu'il nous ment pour être dispensé de payer. Alors, c'est ce qu'on appelle la Shvuata. Il a transgressé la Shvuata Shomrim, il devra apporter un korban Hacham avec le Kefel, d'accord? Ça, c'est Hacham Gzelot. Hacham Gzelot. C'est l'Hacham Gzelot. Ok? Tu reconnais, tu nous as menti, tu as voulu esquiver de l'argent, tu as menti. Tu dois apporter le korban Hacham, ajouter sur ça le Chomesh. Et payer le keren et le chomesh, le capital, ajouter le cinquième et apporter ton korban hacham. Maintenant, si dans le cas où tu disais la vérité, tu aurais été d'abord dispensé de payer. Mais tu nous as menti, tu te sentais mal de dire la vérité, tu as préféré dire un mensonge en jurant, de manière à ce que de toute façon, tu aies mis ptour liptour, tu étais dispensé de payer si tu disais la vérité, et tu es aussi dispensé de payer lorsque tu reconnais et lorsque tu nous racontes ton mensonge. Eh bien, tu seras pas tour d'apporter un corban. Idem, si tu devais de toute façon payer, et que tu nous mens en nous racontant une autre histoire, que de toute façon tu es obligé de payer. Soit, tu as laissé la porte ouverte, donc tu es fautif. Maintenant, tu as honte. C'est ce qui va se passer justement dans notre Mishnah. Il y avait un Shoel. Un Shoel, c'est celui qui emprunte. Celui qui emprunte, c'est le niveau plus fort des Shomrim. Comme ce qu'on a déjà évoqué au début du Perek, puisque Kolana, Shelo, il profite pleinement de la chose, alors il doit dédommager. Quel que soit l'accident qui arrivera, à une seule exception, celui qui est Meta Mechamat Menacha, on l'évoquera ensuite, plus tard. D'accord? Mais pour tous les autres cas, il y a même des voleurs, un missile qui tombe sur l'animal qui le tue, des terroristes, une macatrome, une comète qui lui tombe sur la tête. Ouais, imaginez tout ce que vous voulez. Tous les cas possibles, le Shoel devra toujours rembourser l'animal. Maintenant, lui, il a négligé l'animal, il a laissé la porte ouverte, il était dans la lune. Il a honte de raconter ça, par exemple. Au propriétaire. Alors il va lui dire, ouais, tu sais, bah, je te raconte pas, il y a des terroristes, ils m'ont braqué, ils m'ont tué, ils ont failli me tuer, ils ont pris l'animal, ils sont partis, bon, je dois te payer. Et il a juré que c'était ce qui s'était passé. Et après, on réalise que c'était un beau mytho, tout ça, il avait laissé la porte ouverte, tout simplement, il était dans la lune. Donc là, puisqu'on était mi-chiyouv, les chiyouv, de toute façon, tu devais payer, et avec ton bobard, ton mensonge, de toute façon, tu vas continuer à payer. Alors, dans ce cas-là, ta shvoua n'a pas consisté à te dispenser de payer. Dans ce cas-là, tu n'es pas khayav de shvouat à shomrim. D'accord? Tu n'as pas transgressé, tu n'auras pas de hacham gezelot à apporter. Il y aura éventuellement, comme ce qu'on a déjà évoqué, éventuellement un korban khatat à porter à cause de la shvoua de bitouy. Ça dépendra du niveau de shogeg, de shgaga qu'il avait. On l'a déjà évoqué le sujet 2-3 fois dans la maserhet. Ok? Principe clair, d'abord introductif. Maintenant, vous devez sûrement avoir peur de tous ces mots qu'on a lus, mais en réalité, c'est rien du tout. C'est simple. Le Shoel, il est chayav dans toutes les situations. La Torah, elle a évoqué plusieurs sortes d'incidents qui peuvent se produire avec l'animal qu'on garde. Soit qu'il a été nignav, il a été volé en cachette. Soit avad, il a été perdu. Soit nishba, il a été pris en captivité, ça veut dire nixal en fait. Soit nishbar, il s'est cassé, il s'est effondré, il est mort. Soit qu'est-ce qu'on a encore? Met, elle est morte d'elle-même. Nitrefa, elle est morte d'elle-même. Ouais,
elle a claqué, ou bien il y a eu une bête féroce qui lui est tombée dessus, peu importe, dans tous les cas, donc ça fait, c'est ce qu'on appelle, si je les reprends, il y a met, nishbar, nishba, nignav, o avad. Dans tous ces cas-là, alors le shoel sera toujours dispensé de payer. Il sera toujours condamné, il devra toujours payer, parce que quoi qu'il arrive, quel que soit le cas du nézek qu'il y a eu, le cas de l'incident qu'il y a eu, tu devras toujours payer, quel que soit le cas. Alors la Mishnah maintenant va nous prendre toutes les options. Il a dit le numéro 1, mais en réalité c'était le 2, 3, 4, 5. Il a dit le numéro 2, c'était le 1, 3, 4, 5. Il a dit le numéro 3, c'était en réalité 1, 2, 4, 5. D'accord, vous avez compris, c'est ça le principe de toute la Mishnah. Donc maintenant on va la lire, la traduire, ça va aller très vite, mais en Tachem. Et j'ai une petite dette, c'était de vous dire le cas particulier où le shoel il est dispensé de payer, on l'évoquera ensuite. Amar la shoel, il a dit à celui qui a emprunté le taureau, tu m'avais demandé le taureau pour travailler une journée avec, et après tu me dis qu'il est mort. Ben, vas-y. Echan Shori, où est mon taureau? Amarlo, met. Il a dit, oh là là, il est mort, il a une crise cardiaque, ton taureau, d'un coup. Mais en réalité, Vehu, chez Nishbar, il a été pris en captivité. O Nishba, excusez-moi, Nishbar, c'est qu'en réalité, il a été cassé, je sais pas comment un taureau il se casse, je sais pas, chaque fois je lis, Shvura, c'est quoi, c'est qu'elle s'est cassée toutes les jambes, apparemment, je sais pas. Elle s'est fracassée. D'accord, elle est tombée, peut-être qu'elle est tombée, elle s'est fracassée. Donc en réalité, elle était nishbar, au nishbar, elle a été prise en captivité, ça veut dire qu'elle a été volée en plein jour, au nignav, elle a été volée en cachette, au avad, elle a été égarée, ou encore, il prétend que nishbar, elle a été brisée. Ouais, une seconde, je regarde un petit truc, peut-être que ça va m'aider, il y a un tifret d'Israël qui m'en parle, donc c'est le mort, au shiv nishbar, ou bémet, autant, je précise pas. D'accord, ok, c'est clair, excusez-moi. Je reprends. Nishbar, il prétend maintenant que l'animal a été brisé, d'accord, il est tombé, mais en réalité quoi? Veushemet, tout simplement, il est mort naturellement. O Nishba, il a été pris en captivité. Nignal, il a été volé en cachette. Avad, il a été perdu. Ou encore, il prétend que Nishba, il a été pris en captivité. Et en réalité, Veushemet, il est mort de lui-même. O Nishbar, il s'est fracassé. O Nignav, il a été volé en cachette. O Avad, il a été perdu. Ou encore, Nignav, il prétend qu'il a été volé en cachette. Mais en réalité, c'était que Vehu, et la réalité de la scène, elle était que Shemet, il est mort, Nishbar, il a été fracassé, Nishba, en captivité, Avad, perdu. Ou encore, il prétend qu'il a été Avad, oui. L'animal s'est égaré. Et en réalité, Vehu, Shemet, et en réalité, l'animal est mort de lui-même. O Nishbar, il a été fracassé. O Nishba, il a été pris en captivité. O Nignav, il a été volé en cachette. Dans tous ces cas-là, une fois qu'il lui a rétorqué c'est ce qu'il a fait, il a dit « Mashbiachani, je t'assermente, jure-moi que c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. » Veu Omer, « Amen », et il répond « C'est vrai, je jure. » Amen, c'est comme son a déjà dit, « Amen, je suis ma'amin, d'ailleurs, je suis ma'amin ce que tu dis. J'atteste. » Donc, ça s'appelle qu'il prend sur lui le juré en disant ça. Pas tour, dans tous les cas-là, il sera dispensé. Pour quelle raison? Comme ce qu'on apprendra à la fin de la prochaine Mishnah qui nous posera enfin la grande règle qu'on fait que de répéter depuis le milieu du Bérek, en nous disant que puisque tu es Michiouv, les Chiouv, puisque de toute façon tu disais la vérité, tu devais payer, et qu'à présent aussi tu nous mens, mais de toute façon tu dois payer, dans ce cas-là, il n'y a pas ici de Chiouv sur le Korban de Hacham Gezelot du Shomer. Il y aura, comme on a déjà dit, peut-être un Olev Yored, de un Khatat Olev Yored, parce que tu as transgressé la joie de Bitouille, comme ce qu'on avait vu au Perek Shlishi, on évoquait le sujet dans le Perek Dalet, mais en tout cas, selon le cas, il y a des conditions un peu différentes, mais en tout cas, il n'y aura plus de Chiyuv de Hacham Gezelot. Et je continue tout de suite le début de la prochaine Mishnah, les deux premières lignes, parce qu'après, comme ça, on clôt le sujet du Shoel, et puis après on aura le Nosé Sachar, ça allégera, c'est plus sympa comme ça. Et Khan Shori, où est mon taureau? Maintenant, il demande, d'abord, excuse-moi, la petite dette. C'était le cas de Metam Achmat Melacha, que sûrement vous devez vous rappeler. Lorsque celui qui emprunte, il emprunte le taureau pour labourer. Si pendant que le taureau laboure, il meurt, il n'arrivait plus à pousser la charrue, alors là, il sera dispensé de payer. C'est le seul cas où le shoel n'est pas taureau. Parce que là, il va lui dire, hey, moi je t'ai emprunté un taureau qui devait censé travailler. Qui était censé travailler. Il a commencé à travailler, il n'a pas tenu le coup. Donc, tu ne m'as pas donné un taureau qui était censé travailler, c'est de ta faute. C'est toi le fautif. Tu m'as induit en erreur, ça veut dire que tu as cherché à vouloir à te trouver une assurance qui va te rembourser un nouveau taureau. J'étais ton pigeon, quoi. D'accord? De ce fait, il sera dispensé de payer. Ce qui n'est pas le cas pour tous les autres cas de Onassim, qui sont des causes externes. Ensuite, Mishnah va avant la commence. Donc, Hechan Shuri, il demande à nouveau à celui qui a emprunté, Hechan Shuri, où est mon taureau? Amarlo, Eni Yoda, il aurait torqué.
Je ne sais pas du tout. Ma enyoda matasar. Je ne sais pas ce que tu racontes. Comme c'était la Mishnah Gimel, on parlait là-bas du Shomer Chinam, maintenant on parle ici du Shoel. Il lui dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Moi je t'emprunte un taureau, je t'ai pas emprunté un taureau. Vehu, mais en réalité, Vehu, qu'est-ce qui s'est passé avec ce taureau? Vehu Shemet, il est mort de lui-même. Onishbar, il s'est fait fracasser. Onishba, il a été pris en captivité. Onignav, il a été volé en cachette. Oavad, et en réalité, il s'est égaré. Donc finalement, Mashbiachani, il me dit, alors vas-y, jure-moi, je t'assermente que c'est vrai, que réellement, tu ne sais pas de quoi tu parles, menteur. Et Vamar amène, il lui dit, ouais, je jure. Et en réalité, il avait réellement pris le taureau chez lui, et il était fautif. Alors dans ce cas-là, Chayav, il sera Chayav d'apporter le Hacham Gezelot, il a transgressé la Shuvat Hashomrim, étant donné que cette fois-ci, il a été Mi-Ptour, Mi-Chiyuv, Le-Ptour. Il devait normalement, s'il disait la vérité, il devait payer, et il a avancé un propos qui va le dispenser de payer. Dans ce cas-là, il est Chayav d'apporter le Hacham Gezelot, rembourser le Keren, payer le Chomesh. On arrête là pour la Mishnah, et on fait le tout petit Bartenora. Amar la Shoel vechole patour, il a demandé à celui qui a emprunté, et après, dans tous ces cas-là, il est patour. Pourquoi? Sha'are afkshenishba la sheker. Car, même lorsqu'il va jurer à faux, en mentant, malgré tout, chievet atzmo betashlumim, il s'est malgré tout condamné à payer. Il a juste raconté une belle histoire à Bracadabrante pour justifier le fait que c'était un idiot. Mais en réalité, ça change en problème puisqu'il doit payer. Et dans ce cas-là, ve en bashuazo kfirat mamon. Et donc, puisqu'il n'est pas en train de nier de l'argent par sa shvoua, alors il sera dispensé d'apporter le korban de Hacham Gezelot. Par contre, dans le cas du début de la Mishnah Vav, alors on avait vu Chayav, qu'il était Chayav. Pourquoi? Parce que quand Sha'are Kafar Mamon, car lorsqu'il a dit qu'il n'a jamais eu affaire à lui, donc tu essayes par là de dire que tu ne dois rien, tu te dispenses de payer. En réalité, tu me dois, alors là, tu dois payer. Sheilu Hoda, il a mis Chayav, car s'il disait la vérité, il aurait été Chayav. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain pour le Sioum de Masechet Shuvot, Bezrat Hashem, Kol Tov.